جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو إنتك مجامد Tout passe par lui, inéluctablement. On l'appelle le pôle du temps parce qu'il est élu et que son mandat, il est plutôt nommé par Allah, subhanahu wa ta'ala, par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et bien sûr, donc, dans un cadre très ésotérique qui échappe vraiment aux entendements, aux visions de tous ceux qui ne sont pas dans ce cadre-là. Et donc il est plutôt nommé, voilà. Il est nommé. Et son mandat aussi est temporel. Son mandat est temporel. C'est pour cela qu'on dit que le pôle du temps. C'est-à-dire que cette personne-là doit être quelqu'un qui est vivant. Il doit être en vie, exotériquement, de manière effective, pendant la durée de son mandat. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle le pôle du temps. Et qu'à chaque fois qu'il n'est plus là, c'est-à-dire qu'il meurt, sa personne meurt, on le remplace par quelqu'un d'autre. Parce qu'il doit être quelqu'un de vivant. Et il est l'esprit de cet univers. Il est l'esprit de l'univers. Voilà. Il est l'esprit de l'univers. On l'appelle le pôle des pôles, Qutbul Aqtab, parce que c'est le pôle qui est toutes les sept pôles. Parce qu'il y a sept pôles il y a sept pôles qui existent. Et que ces sept pôles-là, c'est lui leur pôle. C'est lui leur pôle. Donc, il est le plus grand parmi eux. Voilà. Chaque pôle gère une région parmi les sept régions de la Terre. Et que ces sept régions de la Terre sont sept régions définies par les climat, par les climats, comme on dit le climat tropical, le climat polaire, donc, etc. Donc il y a sept. Et ces sept pôles n'habitent pas dans un même lieu, dans un même endroit. Ils sont dispersés un peu partout dans le monde. C'est exactement comme tous les saints. C'est la sainteté aussi, c'est comme ça. La sainteté ne réside pas quelque part. La sainteté est quelque chose qui. C'est un secret d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a dispersé chez les êtres humains, mais qui ne réside pas tous ensemble. C'est pour cela que partout dans le monde on trouve des saints. Ainsi, les poules sont comme ça, ils sont dispersés dans le monde. Et que le poule qui est le plus grand parmi ces sept, donc c'est ça, ces poules-là aussi, on les appelle Abdal, parce que chacun d'entre eux est Badal, c'est-à-dire qu'il est là, il représente un des sept prophètes qui sont dans les sept cieux. Et que chacun parmi eux gère, voilà, surveille et gère des climats, les climats de l'univers. C'est pour cela que ce sont eux qui voient. Quand on n'arrive pas à être un Badal, c'est-à-dire un parmi les Abdal, en fait, il faudrait bien savoir que là, des Abdal dont on parle, c'est-à-dire que l'épaule, on ne parle pas de tous les Abdal qui sont tantôt au nombre de 30, tantôt au nombre de 40, comme l'ont bien exprimé les hadiths. Cette fois-ci, ces Abdal-là dont on parle, ce sont les chefs de ces 40 ou de ces 30. Voilà, qui sont dans la haute congrégation
des saints ou l'assemblée des saints. Et c'est cette poule, donc c'est cette poule, sont ceux qui connaissent les mouvements des planètes. Ce sont eux qui les voient. Pourquoi? Parce que si on n'arrive pas à voir les mouvements des planètes et à connaître les secrets derrière cela, on n'arrive pas à gérer les climats. Donc c'est pour cela que ce sont eux. Et chacun donc est un remplaçant, un substitut plutôt, d'un des prophètes, alayhi salam. Sayyidina Adam, Sayyidina Isa, Sayyidina Yusuf, Sayyidina Idris, Sayyidina Harun, Sayyidina Moussa et Sayyidina Ibrahim. Alayhi salatu wassalam. Et chacun a son nom aussi dans cette assemblée des saints dont nous venons de parler. Et parmi ces Abdal, il y a ce qu'on appelle les Autad, les piliers. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a insinué dans le Coran, en disant Wal Jibala Autada, nous avons fait donc des grandes montagnes, des piquets, ce sont des piliers pour tenir la terre. S'il n'y avait pas les grandes les montagnes qui sont vraiment des géants parmi les montagnes, il n'existe la terre ne va pas tenir. Il y aura des mouvements de la terre. Ainsi, s'il n'y avait pas ces piliers, il n'existerait pas, donc la terre ne pourrait pas tenir également spirituellement. Et si la terre ne tient pas spirituellement, c'est-à-dire exotériquement aussi, cela ne va pas tenir. Et parmi eux, il y a le grand pôle, c'est-à-dire le secours, c'est pour cela qu'on l'appelle c'est-à-dire le pôle des pôles. بل اسمك عنوان العلا فيك خالد محمد أنت المصطفى أنت عابد